15 ans, Jeff Mills est une légende de la scène techno. Sa réputation planétaire, il la doit à la vitesse exceptionnelle de ses enchaînements. Avec ses 3 platines, c'est le DJ qui mixe plus vite que son ombre. Photographier Jeff Mills en action ? Impossible, les photos ressortent toujours floues. Pour lui, tout a commencé par un show sur une radio. Je devais trouver un moyen de maintenir l'attention des auditeurs. Alors j'ai créé cette façon de mixer très rapidement en passant d'un disque à l'autre avec précision. La spécialité de Jeff Mills, c'est de mixer hors des sentiers battus. De New York à Berlin, son parcours éclectique et minimaliste l'amène à une forme d'abstraction musicale qui en fait le visionnaire de l'électro. Elle trouve son paroxysme dans la BO qu'il a réalisée en 2000 pour le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis. De ses dernières expériences musicales, Jeff a fait appel à un psychologue et inventé la technothérapie. J'ai contacté un psychologue à Chicago et je l'ai convaincu de participer au projet. Il a adapté les tests afin d'obtenir des réponses qui feraient avancer ce disque. To get a certain type of answer that would be conducive to the release. La techno n'est pas née à Détroit par hasard. Capitale de l'industrie automobile américaine, elle a sombré dans la crise dès le milieu des années 70. Elle a fait de la musique électronique la bande son de son naufrage. It is a city where c'est une ville où les radios testent les nouvelles musiques qui viennent des quatre coins du pays. Quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, on le joue d'abord sur les radios de Détroit. Du coup, on a toujours pu entendre plein de styles de musique différents. En 90, avec Mike Banks et Robert Hood, Jeff Mills fonde le label UR, Underground Resistance. Les deux acolytes avancent masqués, leurs pochettes sont vierges, chaque disque porte un numéro, pour eux, seule la musique compte. Le son d'UR 001, c'est ça. Au début, on essayait de donner des indices sur l'endroit où on vivait et comment on y vivait. Les différences raciales s'infiltrent toujours dans la musique. Je suis très fier de la façon dont la musique électronique a évolué en si peu de temps. En 15 ans, ça a progressé à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, ça couvre toute la planète.